Kawe, oh Mali ya Mikawe, Mikawe. Magnifiez et honorez Marie, Mère de Dieu, pour tant de grâces à eux accordées. Les Dagovis, fidèles de la très sainte Église de Jésus-Christ, mission de Maname, étaient du 7 au 10 septembre dernier sur la montagne d'Ézéchiel pour célébrer le 12e anniversaire du retour triomphal de son éternité Dagbo Dieu Esprit Saint sur la sainte colline et l'assomption de sa divine épouse. Chants, louanges étaient au rendez-vous. Outre la procession mariale, la messe pontificale célébrée par sa sainteté le pape Christophe XVIII le samedi a été meublée par le sacre de 8 nouveaux évêques et la création de 5 cardinaux. Moi, éminence Augustin Cardinal Ndaillon, je promets à partir de maintenant et tout au long de ma vie de rester fidèle au Christ et à son évangile, et d'être constamment obéissant à Dagbo, son père, et au souverain pontife, le pape Christophe XVIII, de garder toujours avec les paroles et les œuvres la communion avec la très sainte Église de Jésus-Christ, d'accomplir avec diligence et fidélité les tâches auxquelles je serai appelé par mon service à la très sainte Église. Que Dagbo, Dieu Tout-Puissant, y aide. Des pasteurs plus aguerris pour l'évangélisation. Recevez le bâton de pasteur. Si de votre charge vaut le soin de tout le troupeau de Dagbo, de Dieu Esprit Saint, dans lequel son esprit va établir comme évêque pour gouverner sa prochaine église. Le message du frère jumeau de Fofo Jésus lors de la célébration eucharistique s'est appesanti sur l'importance de la présence de la Vierge Marie dans la vie du chrétien. De toujours à toujours, le salut éternel des humains est dans les mains du Fils de la Vierge, notre bien-aimé Sauveur, Fofo Jésus-Christ. Et qui est celle-là? C'est la femme bénie depuis toute éternité et choisie par Dagbo pour en faire la mère de son fils, notre mère.
celle-là à qui il a donné tant de grâce, l'a comblée de grâce, de toutes ces grâces. Que pouvons-nous demander à celle-là qu'elle puisse pas nous obtenir de l'impôt? La Vierge Marie, sans elle, il n'y a pas de salut. Malheur aux hommes qui la considèrent seulement comme une enveloppe. D'abord, considérez la mère du divin créateur comme une enveloppe, c'est se dégarder soi-même. Ça veut dire que votre propre mère est une simple enveloppe. Elle vous a conçu en son sein. Et vous avez tout hérité d'elle. Et elle demeure pour vous une simple enveloppe. Tout ça, vous savez qui pourrait mettre ces sales expressions, ce sale langage sur le bout des lèvres des hommes, c'est qui? C'est votre ennemi numéro un. Ce dragon a cette tête qui attendait l'enfant qui va naître pour le dévorer. C'est bien, c'est beau. Et son sort est scellé. L'occasion était propice pour le Créateur de bénir ses enfants à l'orée de cette nouvelle rentrée académique. Ah, vous sentez encore le propos qui est en l'air. Bon, Aïdjaï, FIFA, nous avons pour nous dire que nous avons passé à mes à tenir compte de notre propos qui est en l'air. La Beauville est. Mais quand j'ai tapé, ils n'ont pas voulu me payer. Mais quand j'ai tapé, ils n'ont pas voulu me répondre. Pour la fin, pour la fin. Nous croyons dans le team. Fidèle en bas, on est grandi. Bon, on est à Tchè. Salut, nous étions. À Tchè, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et quand on fait les bêtises, il y a un peu de temps. Quand on propose des temps, alors les femmes mais on menace quoi? Oui, point de temps si nous les, quand on dit déjà ton lettre puis c'est quand? Donc t'as quoi? Il t'a vu vous là, il y a ces 50 ans. Merci. Tant de grâces qui n'ont pas laissé indifférents clercs et pèlerins. Je suis très joyeux en ce moment-ci parce que c'est l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Et par le passé, nous entendons. Nous entendions les merveilles de Maman chérie de la Vierge Marie. Mais en ces temps qui sont les derniers, nous vivons autrement la réalité. Nous vivons cette réalité de façon plausible parce que la Vierge Marie elle-même est là. Au cours de l'an de grâce 2011, d'abord Dieu Esprit Saint a décidé la reprise de la mission contre toute attente, la reprise de la mission de mon main le 18 août 2011. C'est ce que nous appelons le retour triomphal. Et effectivement, cet événement fut marqué par une grande procession d'entrée triomphale de Dagbo dans Bonhomme. Et chaque année, la Très Sainte Église célèbre pour mémoire ce grand retour qui marquait le début d'une nouvelle ère pour toute l'humanité. Une joie immense pour le peuple de Dieu, car nous l'avons reçu gratuitement. Et nous allons aussi donner les grâces gratuitement à nos semblables. Nous ne méritons rien, nous ne sommes que de pauvres pécheurs, mais Dieu, capable de tout, a pu faire ça. Venez constater, Dieu, créateur du ciel et de la terre, a pris chair au Bénin depuis 2009 et il travaille pour le monde entier. Sachez que c'est la dernière chance pour l'humanité. Avec Dieu, il faut l'espérance, il faut la persévérance, la patience et aussi l'esprit de piété, de la crainte affectueuse à Dieu. Lui, il a son plan. Nous n'avons pas le droit de lui imposer un plan. C'est seulement l'obéissance. Et après, on voit que tout est merveilleux. Que l'œuvre de Dabo soit réalisée dans la vie de tout un chacun de nous. Je suis de la communauté étrangère en Côte d'Ivoire. C'est un moment vraiment émouvant. C'est un moment vraiment impactant. Je n'aurais pas aimé ne pas être là. J'ai appris beaucoup de choses puisque nous, on n'est pas au Bénin.
Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Mais quand on vient sur la très sainte colline, on apprend beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Et ce que j'ai appris, j'en ai appris tellement que je suis ravie de partir, de me retourner avec une bonne impression de la très sainte colline et de la mission de Gbanamé. Il y a eu beaucoup d'événements, on va dire, spéciaux. Déjà, on a eu 8 nouveaux évêques et 5 nouveaux cardinaux. Donc déjà, ça, c'est une preuve vivante que la mission évolue. Et c'est très spécial pour nous, les fidèles, de voir que la mission évolue sur le plan international. Donc ça fait très, très plaisir. Et surtout pour notre foi, donc c'est très spécial et on ne peut qu'être heureux. Au cours de ce pèlerinage, la très sainte église de Jésus-Christ s'est agrandie avec de nouveaux baptisés qui ont professé leur foi dans une ambiance conviviale.